La saison des séries mondiales est terminée depuis la fin du mois d'août, ce qui n'est pas tout à fait le cas des étapes de Coupe du Monde. Effectivement, elles poursuivent leur petit bonhomme de chemin. L'occasion pour nous justement de nous attarder sur ces épreuves tout aussi spectaculaires. On va commencer par aller faire un petit tour du côté de la Hongrie, Tijoy Varos, et puis ensuite nous partirons pour la Turquie, une nouvelle destination au programme des triathlètes. Tijoy Varos, surnommé Tiji. Effectivement, les triathlètes ont l'habitude de venir ici depuis 1997, la plus ancienne des étapes du circuit international de triathlon. L'occasion pour les Hongrois d'organiser justement, à la faveur de ce rendez-vous, la fameuse Triweek Festival. L'occasion pour les uns et les autres de goûter au triple effort sous différentes formes, sous différents formats, et surtout d'organiser une véritable fête pendant 72 heures, jour et nuit. Un format différent ici aussi, on a innové. C'est une épreuve à élimination directe disputée sur 48 heures, c'est-à-dire que trois groupes de compétiteurs s'élancent et on retient les 10 meilleurs du classement pour justement disputer la finale le lendemain. Format sprint et pour cause, il faut gérer l'effort, il faut gérer la succession d'efforts, ça rentre aussi en ligne de compte. Ce sont des formats que l'on a l'habitude de voir en France, que ce soit sur le Grand Prix FF3 ou sur le Fit Days. En l'occurrence, ici, pour ce qui concerne cette première demi-finale, Gaia Perron s'est imposée devant Margrit Vanek et Renée Tomlin, l'américaine. Deuxième demi-finale, donc, avec cette fois-ci notamment engagée dans cette épreuve, sur cette course, Sophia Saller, qui est tout simplement la championne du monde des moins de 23 ans, un titre qu'elle acquérera un tout petit peu plus tard dans la saison, parce que là, pour ce qui concerne Tijoy Varos, nous remontons au tout début du mois d'août. Donc Saller première devant Klamer et Gerdonek. Troisième départ de ce samedi, avec Oliveira, Jones et Scherer qui attaquent le parcours cycliste long de 20 km ensemble. Et finalement, ce sera Céline Scherer, Pamela Oliveira, Kathleen Donner, Anna Philippine et Edith Christensen qui franchiront la ligne de concert. Voilà, les 30 qualifiés pour disputer la finale sont sélectionnés. Nous sommes le lendemain. Il faut avoir récupéré, c'est important pour se trouver dans les meilleures conditions et peut-être espérer une victoire en Coupe du Monde, ce qui, à vrai dire, est important sur un CV. On se prépare. Toutes les favorites sont a priori présentes. Format sprint, 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. 30 compétitrices, conditions de course quasi parfaites, temps calme, température douce, pas de combinaison. Allez, c'est parti! On s'imagine que sur cette distance, on va rapidement apercevoir aux avant-postes les habitués, c'est-à-dire Pamela Oliveira, Carolina Routier, Margrit Vanek, qui est à domicile. Et ça peut effectivement jouer un certain son importance. On va voir son importance plutôt à l'occasion de ce rendez-vous. Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Encore une fois, Tijoy Varos accueille une étape de Coupe du Monde et le circuit international depuis 1997. Allez, ça frotte un tout petit peu à la bouée, même si Pamela Oliveira, la brésilienne, a une longueur d'avance sur le reste de la troupe. Derrière, en deuxième rideau, on va retrouver Perron, Routier, Vanek, Bonin, Lucie Hall et les autres comme Vidic, Clark, Scherer, un tout petit peu plus loin. Sortie de l'eau d'ici une poignée de secondes. Après ces trois petits tours effectués dans ce bassin, dans cette rétention d'eau en quelque sorte, tribune naturelle pour les spectateurs venus s'installer autour. Allez, Pamela Oliveira, la première. Perron, Routier, Vanek, Charlotte Bonin, l'italienne, Lucie Hall, la voici. Le temps réalisé par les meilleurs, 9 minutes 22 pour Oliveira, Perron. Et 9.31 pour Lucie Hall. Sortie délicate. Cinq compétitrices qui arrivent ensemble dans l'air de transition, emmenées par Pamela Oliveira et Charlotte Bonin, ferment la marche. C'est parti donc pour 20 km à vélo. 20 km sans difficulté, rapide, très rapide au contraire.
Les femmes en forme ont toutes les chances de faire la différence. Rachel Klammer, la néerlandaise, qui s'est fait discrète cette année. Et là aussi, elle est sortie de l'eau, Rachel Klammer. Un tout petit peu plus loin, 9,41. Allez, à 20 bonnes secondes des premières. Klammer qui était championne d'Europe en 2013. Et qui là, avant ce rendez-vous hongrois, a remporté l'étape de Coupe d'Europe de Holten. Vous aurez compté comme moi 12 compétitrices de 4, 6, 8, 10, 12, peut-être un peu plus. Et ça relance. L'important dans ces virages dessinés à en épingle à cheveux, c'est la capacité à relancer vite et fort, d'anticiper justement pour ne pas avoir à souffrir d'un léger écart à remonter à plusieurs reprises qui finit par avoir son rôle à jouer dans sa capacité à rester attentive et à animer la compétition. Regardez derrière, ça commence effectivement à invectiver un petit peu, histoire de profiter, de se dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut donner le petit coup de collier utile. Derrière, on va vite retrouver réunis pour l'occasion, Klammer, Oliveira, Jerdonek, Ackermann, Perron. Et puis les écarts vont commencer à se vérifier. Grosso modo, des temps de 31 minutes pour ce qui concerne ce parcours cycliste. Lucie Hall a pris le meilleur, elle emmène ce paquet. Et pour l'instant, on essaye effectivement de s'organiser. Sophia Seller en deuxième position, Jones l'américaine, Vanek la hongroise, qui bien sûr va essayer de satisfaire tant que faire se peut le public venu en nombre. Regardez, vous pouvez constater l'affluence du public hongrois. Deuxième groupe, quelques secondes en retrait. Et ensuite, on va retrouver René Tomlin l'américaine notamment. Les Danoises, les Autrichiennes et Sanders, la Sud-Africaine. Alors devant, est-ce que ça commence un tout petit peu à bouger? Seller, la jeune athlète allemande, est là. Jones, l'Américaine également. Qui va prendre l'initiative? Qui va vouloir tenter sa chance et peut-être s'extraire de ce groupe pour attaquer le parcours pédestre dans les bonnes conditions. Lucie Hall toujours là. Donner Jones qui encadre Seller. Kovacs toujours, elle aussi attentive, bien placée. On se prépare justement à poser pied à terre et attaquer ce parcours pédestre derrière, long de 5 km, groupe compact. Pamela Oliveira, la brésilienne, solidement installée devant. Scherer, la suisse, sur sa gauche et Charlotte Bonin, l'italienne, sur l'extrême gauche qui revient à grandes enjambées. Très indécis ce parcours, en l'occurrence cycliste, au terme duquel pour l'instant, personne n'a réussi à la faire la différence. Et deuxième peloton avec une vingtaine de secondes de retard. Seller est là. Kovacs, la hongroise. Donner, l'américaine. Sixième rendez-vous de la saison de Coupe du Monde. Tijo Ivaros. Ensuite, ce sera Alagna, dont on pourra effectivement suivre un résumé dans ce même reportage. Et puis enfin, Cozumel et Tangyang en Corée, qui clôturera la saison. Pas de Française engagée ici. Dernier peloton avec Charlotte McShane en difficulté, semble-t-il. Qui aura du mal sans doute à revenir sur l'avant-poste ou la tête de course. Rachel Klammer, bien dessinée pour l'instant, à amener ce groupe et peut-être a provoqué
tout doucement l'explosion de celui-ci. Foulée dynamique elle aussi, celle de Sofia Saller, championne d'Allemagne, format sprint cette saison encore, vainqueur de la Coupe d'Europe de Bratislava. Une athlète qui découvre les étapes de Coupe du Monde et qui visiblement s'y plaît. Rachel Klammer qui a fait la différence, la jeune athlète néerlandaise, championne d'Europe encore une fois, c'était en 2013 en Turquie, qui a une bonne quinzaine de mètres d'avance sur Margrit Vanek, sur Pamela Oliveira, sur Sofia Kovács, deux Hongroises là dans les quatre premières et en cinquième position, Lindsay Gerdenek, l'américaine, néo-zélandaise Simone Ackermann se bat davantage. Charlotte Bonin, elle aussi, tout à, en résistance, en puissance. Lucie Hall, qui là, malheureusement, ne peut pas faire beaucoup mieux. Et va jouer sa carte pour rester dans ce top 10. Les relances très efficaces. Et l'écart qui s'accroît peu à peu entre Rachel Klammer et ses poursuivantes immédiates. Margrit Vanek en deuxième position. Oliveira en troisième position. Effort constant de la part de la jeune athlète néerlandaise. À grand coup de bras, Margrit Vanek, elle aussi, a su s'extraire de ce peloton pour prendre la direction d'une médaille d'argent. La victoire, elle est pour Rachel Klammer, la néerlandaise. Parcours pédestre, 5 km couverts en 17-17 pour un temps total de 59 minutes et 31 secondes. Satisfaite sans aucun doute après un début de saison difficile. Deuxième place pour Vanek, la Hongroise à domicile, sous les vivas du public, 59-38. Et Pamela Oliveira complète le podium, 59-45. Derrière, d'ailleurs, on trouve Sofia Kovács en quatrième position, Gerdenek en cinquième position, Ackermann en sixième, Perron en septième. Fin de parcours tonique, apparemment. Il suffit d'en juger par les attitudes des différentes compétitrices. Du mal à reprendre son souffle, Margrit Vanek, quant à Rachel Klammer. Elle aussi va profiter de cette position horizontale là pour récupérer. Ah, c'était une course absolument terrible. Terrible à tout point de vue. Il a fallu d'abord gérer la première journée et puis bon, je me suis senti à l'aise en natation. Le vélo me paraissait aussi assez accessible, la course à pied également. Et puis en fin de journée, j'ai eu les mal aux jambes et je me suis dit que je ne pourrais jamais récupérer pour la course du lendemain. Et finalement, ce matin, je me suis trouvé aussi plutôt en bonne forme. Ah, c'est un sentiment incroyable que de pouvoir réaliser une telle performance à domicile devant les siens. Un moment merveilleux, nous dit Margrit Vanek. J'ai eu un plutôt bon départ. Effectivement, hier, j'ai donné pas mal. Donc, il a fallu aujourd'hui que je retrouve les sensations pour entrer dans cette deuxième partie de course et arriver à ce résultat qui, effectivement, me satisfait au plus haut point. Mesmo assim, a torcida da Hongria era muito forte, mas consegui manter o terceiro. Voilà donc les résultats officiels de cette étape ici de Coupe du Monde en Hongrie et le classement des 8 premières. Le podium, Klammer, Vanek, Oliveira. Allez, autour de ces messieurs, même principe, même punition, hein, sur deux jours comme d'habitude. Avec tout d'abord les 10 premiers des différentes courses du samedi sélectionnés pour disputer la finale du dimanche. Allez, première manche, première demi-finale, on va l'appeler comme ça. Ici, avec parmi les compétiteurs, Andreas Schilling, Akos Vanek, Dmitri Polianski qui fait effectivement figure de favori. Et c'est le Danois Schilling qui s'impose, son temps 52-47. Deuxième place pour Blumenfeld, troisième place pour Vanek.
Polianski en quatrième, cinquième Murphy. Deuxième course pour ce qui concerne ces messieurs, avec un autre Polianski, le plus jeune cette fois-ci, Igor. Et puis présent aussi Alessandro Fabian, l'italien, Ben Canute, l'américain. Des athlètes qui ont l'habitude d'animer l'avant-course, de sortir devant en natation. Et finalement, c'est Pevtsov, Rostislav, l'Azerbaïdjan, qui remporte la manche devant Polianski, Steinwenter, Faldom, Weber. Troisième course, messieurs, de cette journée de samedi qui nous intéresse effectivement, puisque Simon Bien, le français, fait partie du lot. Facilement reconnaissable avec sa trifonction bleu, blanc, rouge, et Simon Bien d'autant plus facilement reconnaissable qu'il va tout simplement s'imposer ici. Il faudra essayer de faire de même le lendemain à l'occasion de la finale. Allez, 30 sélectionnés. C'est parti pour la finale donc de cette étape de Jouvelaros. Les messieurs succèdent aux dames, les mêmes distances, 750 mètres de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied, format sprint. On va pas vous apprendre. Hein. Là aussi, peu de surprises à attendre pour ce qui concerne l'ordre de sortie des nageurs, puisque autant chez les dames on a l'habitude de croiser Pamela Oliveira, Caroline Routier devant, autant là on sait que entre Varga, Polianski, Canute, on devrait être à peu près en vue du podium à la sortie de l'eau. Ça frotte un tout petit peu. Et devant, confirmation, Richard Varga, Igor Polianski, Frances Godoy, Ben Canute, Akos Van Eck, le Hongrois, Dmitri Polianski. Et puis après, quelques secondes d'écart pour ce qui concerne Potsai, Fabian, Blumenfeld, Schoboum. Allez, les premiers nageurs. Ils sortent donc entre 8.36 et 8.45 pour Dmitri Polianski, que l'on vient de voir, de suivre à l'image. Et derrière, Postaï, Fabian sont en 9 minutes, 9.07, c'est-à-dire qu'il y a déjà, allez, 25 bonnes secondes d'écart. Ça va sans doute avoir des conséquences sur la tenue de la partie cycliste. 2, 4, 6. Ils sont déjà échappés. Simon Vien, lui, est sorti en 9.21, c'est-à-dire qu'il est encore plus loin. Il est à 50 secondes. Tandis que la veille, Simon, il avait réalisé un temps de 8.37. Donc le voici, Simon, l'aperçoit sur la gauche de l'écran. Natation médiocre pour le Français qui va devoir cravacher, et ça va être compliqué de réaliser un retour sur la tête de course. Près d'une minute de différence, 50 secondes de différence entre la course de la veille et celle de ce dimanche. Sans doute un petit peu enfermé, Simon. Il est pour l'instant dans la situation de l'athlète qui subit plus qu'autre chose. Alors, devant, ça s'anime avec, parmi les compétiteurs, aux avant-postes, Van Eck, Alessandro Fabian. Et tout ce petit monde va essayer de jouer sa carte sur ce parcours très roulant. Les frères Polianski sont là. Akos Van Eck, dernier de ce groupe, lui aussi qui va tenter de s'appuyer sur le soutien du public, comme l'a fait un tout petit peu plus tôt Magritte. Van Eck et Simon Vien qui essaye de faire le max pour revenir justement et combler peu à peu cet écart qui sépare son peloton, c'est ainsi qu'on va le définir, du groupe de tête. Des poignées de secondes certes, mais sur cette distance et avec l'organisation dont fait preuve la tête de course, ça va être compliqué de combler ce retard. Même si Simon est capable de réaliser une belle perf sur ce parcours cycliste, chaque seconde va être difficile à gommer.
relance, animation, participation. Pour l'instant, le peloton est parfaitement organisé. Canouté joue son rôle. On a vu Frances Godoy aussi. Et derrière, dans le peloton de chasse, on essaye d'activer un tout petit peu les uns et les autres, provoquer l'initiative pour justement poser le pied à terre le moins loin possible de ce groupe. Ça cravache devant. Canouté, Godoy, Vanek, Polianski sont là. Et derrière, ça commence vraiment à s'organiser de manière plutôt satisfaisante. On grappille les secondes. Est-ce que ce sera suffisant pour justement attaquer le parcours pédestre à portée du groupe de tête? Encore un tout petit peu de patience. Simon vient toujours l'animateur principal. Est en randonnion, ce qui prouve que la vitesse pour l'instant de ce groupe est significative. Pas de peloton étalé, mais plus une file indienne. Ça y est, finalement, ce groupe compact va poser pied à terre. La jonction s'est opérée entre le groupe de tête et poursuivant. Simon vient y est pour énormément. Et trentaine de compétiteurs qui ensemble donc vont poser le vélo, si possible éviter de prendre une pénalité et ensuite démarrer au plus vite ce parcours pédestre. Et c'est Foldom le plus rapide à s'extraire de là de transition. Le Hongrois à domicile, derrière ça part tout aussi vite. Simon vient, transition moyenne hein, là aussi. Peut-être que ce sont les efforts consentis lors du parcours cycliste qui pèsent un tout petit peu dans les guiboles. Foldom toujours là, dossier numéro 12. Et derrière, ça revient Canouté, bien sûr. Les Italiens. D'autres Hongrois. On va essayer de situer Simon. Le voici, Simon. Allez, encore un tout petit effort et il sera au contact des meilleurs. Écoutez le soutien du public. Le soutien du public, justement, pour ses athlètes, pour ses représentants. Et les Italiens, le public aussi, là, pour soutenir ses compétiteurs. 5 km, c'est très rapide, c'est très court. Mais après les efforts consentis pour la natation et le parcours cycliste, il va falloir aller piocher, là, pour, justement, tenter de prendre l'avantage à la faveur de ces dernières lignes droites. Igor Polianski pour l'instant devant Foldom qui lâche prise et puis derrière ça va commencer à se préciser. Godoy, Canouté, Fabian, ils sont là. C'est plus compliqué pour Simon qui est légèrement enfermé, sans doute en difficulté aussi. Il a beaucoup donné pendant le parcours cycliste. Il est sans doute en train justement de vivre des secondes plus difficiles. Le relais d'Alessandro Fabian. Cette fois-ci, il a pris le meilleur sur Gábor Foldom en deuxième position. Relance immédiate dans ces virages à angle droit. Et Simon qui se bat. Pour essayer de maintenir cette allure, pour peut-être intégrer un top 15. À voir, ça s'accentue devant. Vanek, il est là. Foldom aussi. Ça se termine au sprint. Davide Ucciarelli va avoir du mal parce que Akos Vanek est en train de placer sa pointe de vitesse. Foldom en deuxième position, mais Rostislav Peslov n'a pas dit son dernier mot. Regardez le sprint là, réalisé par Akos Vanek, qui va sans doute remporter cette étape de Coupe du Monde. Deuxième position pour
Et pour Rostislav Peslov, l'Azerbaïdjan. Et puis troisième place pour Gabor Faldom. Derrière suivent Davide Uccellari, Alessandro Fabian et les frères Polianski. Oula, compliqué la récup. Vanek, à cause de son prénom. Victoire ici à domicile. Et bien sûr, c'est mon pays, c'est ma terre natale, donc vous imaginez bien avec quel plaisir j'accueille cette victoire de Coupe du Monde, sa première victoire en Coupe du Monde. Ah, je connais très bien ici ce parcours, je suis présent chaque année, donc j'adore effectivement ce rendez-vous. Ah, c'est génial, troisième à domicile, c'est fabuleux. Les écarts, le classement classique. Et le podium avec deux Hongrois à domicile. Fin de cette sixième étape de Coupe du Monde. Prochain rendez-vous, direction la Turquie et Alanya dans une poignée de secondes. On marque une pause et on arrive tout de suite.